Bonjour peuple, bien c'est Roquenard, comment tu vas? Petit case opening valve avec mon ami Pimous, une des très rares fois où on a réussi à faire du bénef. Du coup, je vous fais cette intro juste pour vous parler de ça, vite fait. Roquenard.shop, deux modèles de t-shirts, quatre modèles de pulls différents avec le logo brodé. J'ai vu des gens me dire que c'était trop cher, mais il faut savoir que le brodage ça coûte 2 à 3 fois plus cher que la sérigraphie et la sublimation. C'est un coût de production assez élevé, donc non, ce n'est pas trop cher. À part si vous vous habillez tout le temps à Zara et H&M qui ont des grosses usines et qui exploitent des enfants, là oui. Là c'est cher à côté. Je reposterai sur l'Instagram roquenard.shop quelques-unes de vos photos avec les vêtements. Voilà, je suis content d'ouvrir ça, ça me fait plaisir. Maintenant on va passer au case opening, roquenard.shop, et c'est parti. On va commencer à parler des choses sérieuses, on est avec Pimous, et j'ai 87 caisses, environ un tiers de gamma 2 pour tenter de choper les knife emerald et gamma doppler pour viséo. Et les fractures caisses qui sont les nouvelles caisses qui ont le deagle le plus cher du jeu hein, actuellement. Le nouveau deagle le plus cher du jeu, je sais pas si tu savais ça. Le blanc et noir là. Ouais. Bon après je pense que son prix va baisser. Stattrack Factory, il a combien? Ouais, il était à 900 € il y a pas longtemps, donc il y a moyen qu'il baisse. Tellement cher pour un deagle. Ouais, en effet, c'était celui-là le plus cher avant. Et moi, je l'ai et je l'ai mis en vente un peu plus cher. Je l'ai pas gardé. Non, j'ai commencé à mettre plein de skins en vente, donc vous voyez, il manque vraiment plein de couteaux là, tu vois. Niveau couteau, ce que j'ai plus rien. Bon, plus rien. Ouais, plus rien. J'avoue. Foutage de gueule, mais. J'avoue. Par contre, en gants, là, j'ai plus rien. Ça va, t'as les rouges, frère. Ils coûtent cher. Oui, mais j'en avais au moins 6 avant. Ah, mais ils coûtent cher, ceux-là, c'est bon, c'est suffisant. Ok, let's go. Commençons. Allez, du ça. Ça va, le son, tout ça, c'est suffisant pour vous? C'est de la merde. C'est bien, t'es un malade. C'est de la merde. C'est de la merde. Un euro, frère. Quoi? Un euro, ça. Ça, c'est pas un euro, ça. Non, c'est pas un euro, ça. C'est pas un euro, ça. On va ouvrir deux fractures pour une gamma 2. On va aller loin. On va aller très loin, je vous le dis. On va gagner absolument 4 centimes. Pour l'instant, t'as jamais fait de bénéfice, je crois. Non, j'ai jamais fait un case opening en bénéfice. Sauf une fois où j'ai acheté 200 € de caisse et j'ai eu un couteau dedans. T'as eu quoi? Je crois que c'est le talon. Ah, c'est possible. Le talon. Le talon rouillé. La seule fois où j'ai un sécateur. Le jour où j'ai un couteau qui vaut plus de 500, là, je ferai une session bénéfice, mais ça m'est jamais arrivé. Mon couteau le plus cher que j'unbox, c'est. Ouais, c'est ça. Hein. Je crois que c'est lui le plus cher que j'ai une box. Encore lui. Oh, baisse ta mère, Monster Call. Là. Ça va être incroyable.com, non? Ça fait quoi si vous allez sur ça va être incroyable.com en vrai? Est-ce qu'il existe ce site? Ah, je me pose la question. Hein. Ça fait quoi, les gars? Moi, j'en ai déjà drop un, ouais. J'ai eu une baïonnette lore, moi. Fils de chien. Ouais, j'étais content. Hein. Je pense que ce qu'elles opening, il va être incroyable. Toi, le jeu, il veut pas que tu drops des couteaux, tu sais pourquoi? Parce qu'ils savent très bien comment tu vas. Tu vas péter un plomb. T'as des couteaux normaux. Encore mais lui, c'est bien, mais arrête un peu, arrête. Ah, lequel je l'ai eu? Je l'ai en field tested, il y avait 100 balles. 100 balles en field test? Ouais, d'ailleurs, je crois que je l'ai, je l'ai toujours pas joué. Je le trouve dégueulasse, hein. Je comprends pas qu'il coûte aussi cher. Ah, il est là. Ah non, il est stylé. En vrai, il est beau, hein. Il est pas mal. Il est smurf, les gars. Ça doit être tellement bien d'avoir un cut en vrai. Non. Tu te fous. Bah, non. Franchement. Oh! Oh non! Il est comment? Attends. Oh yes, on en parlait il y a 2 secondes! Attends de voir, il est quel KT, comment il est. Je pense qu'il est quoi là? Field test. Je sais pas, je sens le field test. Je sais pas. Oh, il est mis malware. Je sais pas. Field oh, test. Putain. 100 balles, 100 balles. Putain, 100 € le deagle. Putain, mais ça fait plaisir là! Ta mère! Espèce de gros chien là. C'est pour ça que j'ouvre des fractures. Ils sont trop bien. Ah, moi j'ai que des caisses de merde, hein. Ça va être. Je priais pour qu'il soit stat track. Oh, s'il était stat track, ça aurait été n'importe quoi là. Ah ouais. Stat track Factory News. Comment couteau? Bah déjà, c'est quasiment comme un couteau d'avoir ce deagle. C'est vrai. Mais stat track Factory, je me serais barré, hein, je te le dis. Ah, on a eu le deagle prix de stream, ouais, c'est moi. Celui-là, là. Là, j'en ai deux. C'est le skin rouge le plus cher de la caisse. J'ai eu 2 fois du rouge, 2 fois le deagle. C'est bien. T'as eu de la chatte. Après, la cale coûte cher aussi, hein, mais. Vous avez aimé la petite vidéo? Oh, attends, ça dépend, non. Mais non, mais c'est grave. Enfin, j'ai enfin de la chance. Oh oui. Ça va dépendre de la qualité. Field test, elle coûte 20 balles. Cet opening de fou, là. Field test, elle vaut 20 balles. Si elle est à Factory New, je t'encule. Espèce de fils de chien. Oh yes. Yes! Fils de chien! Elle est Factory New là! Elle coûte cher! Oh, elle est Factory New! Mais quelle pute! Ah ouais. 60 $, ouais! Oh, je c'est cher, c'est je cher, m'attendais c'est, à je m'attendais c'est, à c'est un AK! Voilà, oui. Pourquoi on achète des fractures! Gros chien! Quel gros chien! Il a déjà, ça il a rentabilisé! Ouais, je vais ouvrir le max qu'on peut! Putain, d'habitude mes case openings ils sont grave honteux, là il est cool hein, là il dit bonjour. Après tout ce qu'ils t'ont baisé, ils peuvent donner un peu quand même. Ah oui, ça c'est sûr hein. Il manquerait plus qu'un petit couteau, un petit gamma doppler. Ça serait trop, t'es fou. C'est quoi le bit en fond? Ah ouais, c'est vrai qu'il y a un bit. Là j'ai mis des tailles bit qui passent au hasard, mais il est assez connu. Oh mais c'est grave, faut aller te faire enculer maintenant. Mais elle coûte 10 €. Mais nique ta race, elle coûte pas du elle coûte 10 €. Mais faut aller te faire enculer maintenant. Elle est pas Factory New. Elle est dégueulasse. Ah ça va, fil test. Mais quand même, nique ta race, wesh. Elle coûte rien vraiment. Ouais, tu vois, je te dis. Bon, ça va. Faut aller te faire enculer quand même, c'est non, bon. Non, j'ai pas envie. Encore. Retour du Monster Call. Il existe en Star Trek ce truc?
Bah ouais, pourquoi pas. T'en drop plein et tu l'as jamais en stat track, donc je te demande. Après des print streams, j'en drop plein, je l'ai jamais en stat track. Hein. Non, mais c'est pas pareil, frère. Sois déjà content. J'ai fait 3 fois des case opening fracture, 2 fois j'ai le print stream. Full chat. Mon dernier case opening fracture, il s'est bien passé aussi, il me semble. Mmh. C'est bien d'ouvrir ces caisses. Bon, les meilleures caisses à ouvrir actuellement, je pense, les gars. C'est pour ça que j'en ai pris la blinde. Oh non, non. T'entends pas, il est hideux, c'est même pas ma chaise. Ah, c'est pas la mienne non plus. Hein. Ah putain. Bon, on a plus que de la merde. Hein. J'espère qu'elle va pas tomber sur le live Enox. La choco noisette. Bah déjà il répond pas au SMS donc t'inquiète, je pense qu'il y a aucun risque. Au final c'est peut-être mieux d'être... Ah. Ça commence. Non, c'est... Pas au bout de 100€. Allez. Elle est dégueulasse. Elle est horrible. Je l'ai moi celle en minimal wear, elle est bien. Non, voilà que non. Oh dégueulasse. Attends mais ça se trouve c'est... Elle doit coûter 2€. Ça se trouve c'est une black scope. Hein. Tu dis n'importe quoi. Il y a certains skins en Battle Scars qui vendent plus cher. Ouais là ouais, pas lui. Ah ouais, pas Zimov black scope, ça peut être bien de la drop. 300 balles, 400 balles, je crois, un truc comme ça. Mais c'est tellement rare. C'est comme avoir un stat track dans un stat track. Alors le black scope stat track. Oh là 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 là. Oh! Il y a un Emerald Stat Track, ça vaut combien tu penses? Le Stat Track sur les Emerald, ça vaut un 40 bits. Ça vaut pas plus que ça. C'est encore 6 fois plus rare du coup normalement. Ouais. Oh, j'y ai cru. Bah si. Oh, le c'est rose! Celui-là je l'ai en Factory New, il valait genre 20 balles. Moi je dirais Minimal Wear. Celui-là il est pas Factory New en tout cas, c'est sûr. Mais il est pas très abîmé non plus. Minimal Wear. Oh, fit test avec un bon test. 0,20 c'est un bon float, c'est presque du Minimal Wear. Ouais. Ça bon, ça, c'est ça bien, c'est le troisième. Ça rembourse. Oh, j'ai cru que c'était le même. Faut pas déconner. Putain, les mecs, la chance qu'ils devaient avoir pour unbox 2 couteaux d'affilée. Il y en a sur YouTube qui ont une box de couteaux d'affilée. Bah oui. C'est monumental en fait. 0,25%. C'est du foot. Deux fois. Je me demande, mais je me demande même si un mec qui a pas fait 3 fois. Je sais pas, mais là ce serait n'importe quoi. En vrai, je me demande un skin bleu stat track, ça vaut combien comme ça? Ça vaut que dalle, frère. Ça, c'est 20 centimes. 10 centimes, je crois même pas. 46. Ouais, 46. Ça va, hein? Ça va, genre, t'en as 100, t'as déjà 40€. C'est 20% de la caisse. En ouais, enfin, c'est de la merde quand même. Voir. C'est mieux 20% de la caisse que 10% de la caisse. Ça, par contre. Ça, c'est 10 centimes, ça. Ouais, ça, c'est de la merde. Ça, c'est de la grande merde. De la grande distribution de merde. Oh! Wow! Il nous reste combien? Je vais vous dire. Ce serait bien que ça paye un peu là, juste un peu. Après le spectacle a été fait. Nice, nice. Je veux voir un couteau. Il nous reste environ 50€ de caisse, donc 20 caisses. Moi je veux voir un couteau, je m'en bats les couilles des skins. Même un couteau pourri, je m'en bats les couilles. Si tu veux voir un couteau, tu reviens demain matin, il y en a là. À 10h, ce sera un couteau. Oh, vas-y, c'est bon, faut qu'on va te faire foutre. Ok, petit rose. Minimal wear ça? Au fil test. Ah, c'est minimal wear. Ok. Oh, quoi? Nique ta mère. Ah oui, bah ouais, c'est dans la gamma Doppler, dans la gamma case. Ah bah ouais, normal en fait. Si c'était dans la fracture, il valait 15 balles de 10 d'office. Merci bien les... Oh, encore du rose. C'est bien ça, 10 balles. Bah ouais. Bien, on... Pff, c'est trop rare, sérieux, les case opening rentables, ils font tellement plaisir. Oh là là, minimal wear. C'est du 10 balles ça. Hein. Oh là là. C'est du 10 balles là. Quel plaisir. Ok, il nous reste plus grand chose. Bah il nous reste que ça, hein, en fait. Comme j'ai acheté un nombre de caisses relatif à la relativité. Oh! Il est violé stat track hein. Ouais, on va l'analyser. Mais il est dégoûtant par contre. C'est un Tech9. Oh moche, dégueulasse, dégueulasse. Il vaut même pas 1€. Non, même pas 1€. Il vaut 1€. Il vaut 1€. C'est que du business. Oh, 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 mais quel chien. Oh, wow. Le chien. Oh la pute. Accorde. Oh, c'est quoi le bénéfice que t'as fait? C'est incroyable. C'est quoi, dommage qu'il est boosté, ça. Mais frère, ça. T'as bénéfice de fou. Ça. Oh le chien. Allez, check-in. J'étais pas prêt. Moi non plus. J'ai vu, ça ressemble à aucun skin ça. Ouais, mais il vaut quand même 100 balles. Peut-être plus même. Plus, c'est un paracord quand même. Ouais, mais ils ont vachement baissé. Hein. C'est un paracord, pour moi il vaut 200 balles minimum. Quoi? On est dedans. C'est grave. Oh, c'est très grave. Oh. C'est quel genre de bénéfice? Putain, pourquoi j'ai des couteaux que des couteaux nuls? Allez, 2 d'affilée. Ah là, si t'en fais un deuxième, je te mets une claque. Oh, presque. Tu as échappé. Presque, quand même. Elle était chargée à 90% celle-là. T'as des mecs, ils lâchent des poids dans le chat que maintenant. Genre, ils vivent en campagne, frère. En connexion. Bon. Un petit clip, faites un clip surtout. Hein. Knife paracord, voilà, c'est bien, les gars. Ça, c'est bien. Salam alaikum, alaikum salam. Il reste 3 caisses et après, on va sur le compte de Pimous pour ouvrir les caisses qui restent. C'est bon, faire scam mon argent. Vu que là, t'as j'ai cru. T'as gagné en balle, je vais me faire défoncer mon anus. J'ai fait x2 sur un case opening balle. C'est du jamais vu. Il nous reste 2 caisses. Laquelle on fait en premier? La gamma. Viens, on fait un truc. La caisse dans laquelle il y a le meilleur skin, on parie sur la sur elle. Celui qui perd, il fait 10 pompes. Ok. Tu paries sur quoi? Je prends la fracture, moi, si tu permets. Ok, on va commencer. On va commencer par la fracture. Après, la fracture, elles ont une. Pas bleu, pas stat track. Parce qu'ils ont une meilleure value, ouais. Bleu, pas stat track. Facile à battre. Bleu. Ça pue la merde encore plus celui-là, je crois.
Ouais, ouais. Je vais gagner, hein, tu vas aller faire des pompes. Hein. C'est un XM, hein. C'est un XM. Ah ouais, ça va te faire du bien d'aller faire des pompes. Field tested, well worn. Non, oh, merde. Après, si on fait par rapport au prix, tu gagnes sûrement, mais c'est mieux, hein, ce que j'ai. Oh, attends. Peut-être pas. Ça se joue, hein. Peut-être pas. On prend, centimes, on prend quelle valeur? C'est 7 centimes la dernière, arrête d'essayer de attends, baiser. Attends, attends, bah, on va revoir toi alors. Il veut pas lâcher l'affaire, ce gros chien. Allez, bon, tu vas aller faire des pompes. C'est nimp. Pour un centime, tu vas aller faire des pompes. C'est nimp. En plus, t'as une caisse qui est mieux, j'ai une meilleure qualité. Et alors, je ne peux pas le savoir? Avec dignité quand même. Il y en a marre. Ok, bah voilà, j'ai pu tout ouvrir sans limite en fait, là, alors que j'en ai acheté 100, c'est bizarre. Bon les gars, là on va aller sur le compte de Pimous. Moi j'ai fait, il y a de la fractale là, de la fracture. Ça, ah, bah, t'as de le... ah bah voilà, t'as de la fracture. Bah tu vas rien avoir dedans. Merci Faris. Hop là. Ça te traque après. Hein. Ah tes conneries, wesh. Ça, ça vaut 30 centimes. Non, ça c'est pas mal. Critique pas, il m'a dit. Ça c'est tout Faris qui m'a envoyé. Hein. Il avait 48 000 caisses sur ça. Non, le Spectrum ça va. T'as encore une fracture. J'ai jamais ouvert les Chroma 3, je sais pas si. Allez, donne pas de l'espoir comme ça, frère, à faire tard. C'est quoi votre pronostic sur l'opening de Pimous là un peu? 10 euros, allez. 10 euros de bleu. 10 euros. Dans ces eaux là, 10 euros de bleu. Frère, le dernier case opening 200, que j'ai fait. Tu vas avoir 60. Le dernier case opening que j'ai fait, j'ai eu une baïonnette là, il faut bien payer maintenant. Maintenant il faut rendre l'argent, tu vois. Putain, baïonnette là. Ah, c'était incroyable. J'ai jamais eu ça de ma vie. Baïonnette lore minimal wear, je l'ai mis dans mes fesses. J'en ai eu des couteaux dans les case opening, hein, une baïonnette lore. Couteau à 500 euros, je t'ai refait. Mmh. Oh, j'ai cru que c'était une buzz kill. Bien ça. Mmh. Ah, c'est ça, track. Ah, ça c'est. Ah, bonne merde. C'est bien, hein. Je vais contracter après, hein. Quand je serai chez moi, je vais contracter tout ça. Hein. Oh, tu les bats au ventard. Moi, tous mes petits skins, je les ai mis en vente sur Bitskin. Mais... c'est vrai, pourquoi t'achètes pas des caisses pour tout stocker? C'est des trucs à 1,70€. Oh, flemme, je l'ai mis sur Bitskin. Sur Bitskin, tu fais des trades par 100, ça prend 2 secondes, ça te met le. Tu mets lowest listing, t'as juste à cliquer sur le skin, il se met en vente tout seul. Je les mets par 100, ça me prend. Ça m'a pris 15 minutes, j'ai mis. Ça va. Les skins en vente. Ah, bien. Puis en vrai, les petits skins, ils partent vite. Salut, j'ai Bucker. Bien, ou quoi? Oh! Non. Oh, j'ai confondu. Ça coûte rien, frère. Ça coûte j'ai confondu avec la Icarus Fell. Non, 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 arrête de rêver. Ça, c'est 5 balles. Ouais, je connais. Ah, elle est factorielle. Non, c'est du minimal. Non, c'était minimal wear, ça. Ouais, elle vaut rien. Elle vaut rien, elle vaut 5 euros. Oh, ouais, si, c'est ça. Putain, t'es bien, ton case opening. Oh, waouh! Ton case opening, il tue sa c'est mère. C'est dinguerie. Waouh! J'y rigole, j'ai un gros knife après. Snake 9. Il s'appelle Snake 9, je connaissais même pas. Snake 9. Personne ne vous savent, frère, c'est normal. J'espère qu'un jour ils font un Tech 9, Sick 9. Le knife arrive. Oh, yes. On a les infos du prophète. Ouais, je suis dépité, j'ai envie de mourir. Ton case opening, il est trop nul. Frère, tu devrais pas parler, toi, parce que tu t'es tellement fait baiser. C'est la première fois, sale chien, que tu fais du bénéfice. Bref, j'ai l'impression que t'as rien gagné. C'est une bonne impression, ouais. Je trouve que t'impressionnes bien, ouais. Merci tous les subs. Théma, ils arrêtent pas de sub. Moi là, je leur conseille de me donner quelque chose. Wasabi chez Voldor, merci les Rey. Ça va mal se passer là. Hein. Tu me donnes rien, regarde. J'ai fait x2, toi t'as fait x0,03. x0,2. Et encore. Oh, et Théma, il y a un joueur en BTC. Faris, je vais aller chez lui, je vais l'enculer après. Il t'a donné que des caisses de merde. Il savait ce qu'il y avait dedans. Quoi ah, ça y est, c'est la Hesse. Ah, peut-être t'as eu la limite avant moi, je crois. We'll be right back.